voilà. Eugénie est dans The Voice, ça y est. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez-vous? Eugénie. Eh bien, Eugénie, bravo. Parce que l'enthousiasme du public... Il est dû à ce que vous avez fait. Bravo pour Merci ce que vous avez beaucoup. Fait. Merci. Vraiment, c'était très surprenant. C'est horrible parce que j'ai mes jambes qui sont en train de trembler. Non, non, tout va bien, tout va bien. Vous voulez vous asseoir? Vous pouvez vous asseoir sur le bord, là, regardez. Oui, je sais pas, parce que j'ai peur qu'on voie ma culotte. Non, non, regardez. Je vérifie, ne vous inquiétez pas, regardez. Mettez-vous juste là, au bord, vous allez voir. Là, voilà. Je fais un petit contrôle des vis-à-vis. Génial. C'est super. Ça va mieux? C'est super, ça va beaucoup mieux. Ouais. C'est pas la chanson d'Adèle la plus connue. Et j'ai aimé ça. Voilà, que vous alliez un petit peu plus creuser dans ce répertoire. Après 25 millions d'albums, tout est connu. Ouais, ouais. Alors... Même moi, je la connaissais, dis donc. J'ai senti que vous aimiez chanter et vous m'avez donné envie, tout simplement, de vous accompagner dans cette aventure. Il n'y avait pas l'excès de vibes qu'on aurait pu choisir d'avoir sur cette chanson-là. Ce que j'ai aimé, c'est toutes les redescentes qui étaient limite black américaines. Voilà, cette finesse qui venait à travers toutes ces notes complètement dingues et folles. Non, j'ai envie de vous récupérer dans mon équipe. J'ai envie de vous avoir dans mon équipe. Eugénie, c'est vrai que vous arrivez avec un tel potentiel vocal entre le bas et le haut, mais surtout cette facilité. C'est juste, pour vous, c'est comme respirer, boire un verre d'eau, c'est d'une fluidité, c'est impressionnant. Et puis, vous arrivez à un moment où on se dit, bon, voilà, quand même, c'est très haut, et il y en a encore en haut, et il y en a encore... Mais c'est juste incroyable, je veux un talent comme toi dans mon équipe, c'est obligatoire. Alors voilà, ils se sont retournés, c'est bien, parce que je vous vois maintenant, il y a un côté avec des références plus woodstockiennes. Du coup, ça m'embête un peu, parce que je pense que on aurait pu éventuellement travailler sur ce côté-là. Vous avez fait une belle proposition, et puis vous avez fini par envoyer un petit feu quand même. Donc bravo.
Et ça fait combien de temps que vous chantez ? Depuis que j'ai des cordes vocales. Voilà. Ah voilà, forcément, quand on a ce don-là, ça, on le réalise très rapidement, parce que c'est être surdoué. Oui, mais non, mais c'est vrai, mais c'est son point fort. Elle le fait, mais c'est une chanteuse bio, c'est-à-dire c'est tout naturel. Je pense que la facilité de sa voix aussi, c'est sur ça qu'il faut travailler. Tu peux tout faire. Et je pense que tu dois vraiment bien choisir ton coach. Parce que là, c'est très intense, c'est très court, mais ça peut te changer pour très longtemps. Il faut que je choisisse maintenant. Je le crains. Il y a un moment, il faut prendre une décision. Et je suis... Franchement, je sais pas du tout, du tout, en fait. Donc, je me dis, Jennifer, elle a mon âge et on est toutes les deux mamans de deux garçons. Allez. Alors, je me dis, pour ça, je vais choisir Jennifer. Allons-y. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. On va chanter. Ouais. Surtout, on va s'amuser. Bah oui. Et bravo, hein. Ah bah attends, avec ce que t'as, y a aucun problème. Son choix a été aussi guidé par son cœur de maman. Hein, comme quoi.